Nous sommes les ouvriers, nous les caroleurs, nous sommes ferrailleurs, nous les bâtisseurs, chantent-ils à l'unisson. Eux, ce sont les étudiants en première et deuxième année de génie civil de la grande école EGES, haute études en gestion. Ce matin-là, c'est l'ouverture de la semaine des bâtisseurs, une journée promotionnelle qui leur est dédiée pour exposer leur formation. J'ai embrassé la filière génie civil par le biais de mon père, parce que lui, il a beaucoup aimé que je fasse la filière génie civil. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu faire la filière génie civil. J'ai voulu faire mine et géologie. Maintenant, il m'a expliqué un peu plus comment ça se fait dans ce domaine-là. Voilà, et ça m'a poussé à aimer la chose. Voilà. Donc, moi, je pense que le métier du bâtiment n'est pas seulement un métier pour les hommes. Les femmes aussi peuvent s'investir, elles peuvent travailler dans ce domaine-là et exceller en plus de cela. Du 13 au 18 mai 2024, il sera question de parler du métier de génie civil dans toutes ses composantes au travers d'ateliers, de panels avec des thèmes comme l'intelligence artificielle dans le domaine de la construction, enjeux, opportunités et défis, ou le BTP au féminin. L'occasion est donnée à la tutelle et aux partenaires également de visiter l'institution, de signer des partenariats et d'être récompensés. Il s'agit pour nous de les mettre en relation avec le monde du bâtiment, que ce soit les ingénieurs bâtiments, que ce soit l'administration, que ce soit les cabinets d'architectes. En fait, c'est une mise en relation pour permettre aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance du monde du travail et ensuite leur permettre d'augmenter leur connaissance dans ce domaine. Le génie civil, c'est un vivier. Voilà, c'est une niche très importante en matière d'emploi et je pense que les jeunes doivent aussi intéresser. Comme on l'a vu dans le défilé, c'est vraiment toute une chaîne de valeur, le génie civil. Il y a tellement de métiers, il y a tellement d'opportunités et nous encourageons nos jeunes à s'intéresser au génie civil. Et encore, félicitations aux établissements qui font de la filière génie civil, qui ont fait de la formation en génie civil un créneau. Voilà, de la formation de la jeunesse ivoirienne. Le génie civil représente l'ensemble des techniques de construction civile. C'est l'art de concevoir et de réaliser des ouvrages d'infrastructure.